Je vais me maquiller avec un côté des produits chers et de l'autre côté des produits pas chers. Moi, je commence toujours à faire mes sourcils. Donc, le côté pas cher, c'est le crayon de chez Benefit. Le côté cher, c'est la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je vois pas trop une différence, mais je trouve que mes sourcils sont mieux dessinés ici que là. Pour le côté pas cher, j'avais que le fond de teint Huda Beauty. Et pour le côté cher, j'ai le fond de teint Giorgio Armani. Base, j'aime bien les deux fonds de teint. Voilà, pour le Giorgio Armani. On passe au Huda. Je passe au Beauty Blender parce qu'il est vraiment trop dur à étaler. La Beauty, je t'aime beaucoup ma chérie, mais ton fond de teint, c'est vraiment du plâtre. Regardez s'il vous plaît la différence, comme là, c'est hyper lumineux. Je passe au bronzer chez Glam et j'utilise la Terracotta de chez Guerlain. On estompe. Je vais mettre le Too Faced. Et pour le cher, je vais mettre le Charlotte Tilbury. Canon. Oh, j'en ai mis trop. Beaucoup trop rosé, du coup je vais rajouter de l'anticerne. Donc pour l'anticerne pas cher, je vais mettre le Kiko. Je vais mettre le Huda Beauty. Bon voilà pour l'instant, je sais pas si vous voyez une grande différence. Les fossiles Huda Beauty. Et pour le pas cher, je vais mettre les fossiles Shein. Je vais terminer par les lèvres. Donc pour le cher, je vais mettre le crayon MAC. Kiko de l'autre côté. Je vais mettre le gloss Dior pour le cher. Et le Kiko de l'autre côté. Bon là, je trouve qu'on va pas trop une grande différence. Je finis par la petite touche d'highlighter. Donc je vais mettre le Benefit. C'est le Cookie Highlighter Liquide de chez Action, je crois. Je me rappelle plus. Bon, voilà. Du coup, dites-moi, vous préférez quel côté ?